à tous, dans cette vidéo je teste le McDo de Dublin. Shop. Ok, donc on va découvrir si le McDo de Dublin a différentes spécialités. On va voir tout ça, on va tester. Je vais prendre plein de trucs je pense pour tester, pas juste un menu. Comme ça on goûte à tout et je vous dirai, je suis trop hâte. Déjà je sais qu'il y a pas mal de trucs pour les végétariens, donc je vais tester ça. Vegetable Deluxe, Veggie Reaper. Qu'est-ce que je prends, mais moi franchement, il y a plein de trucs, c'est cool, je trouve. Je vais tester ça. Oh, ça! Vas-y. Ici, ils font des menus en dessous de 600 calories, en dessous de 400 calories, donc je trouve que c'est super sympa. 400 calories, vous avez ça quand même, c'est pas mal, je trouve. Est-ce que le Mac Plant, il m'intrigue, le Mac Plant? Vas-y, je teste. 19 euros, les gars. Mais c'est pour tout tester, parce que je veux rien louper, moi. Good day. Fallait la filmer. Alors, j'ai pris Vegetable Deluxe, Mac Plant, les petits chili cheese. Pas pris de frites parce que c'est les mêmes, il n'y avait pas de potatoes. Je goûte la frite. C'est pareil. Un petit coca. Et j'ai pris ça aussi, le apple pie, j'ai jamais goûté. C'est parti, dégustation. Ça c'est le Mac Plant et en fait le steak c'est pas du steak, c'est du steak végétal. Bah on sent que c'est pas du steak mais c'est bon. Ouais, tu sens qu'il y a une différence, tu vois. En fait il y a plein la sauce donc ça camoufle, tu vois. Je pense que ceux qui mangent pas de viande c'est bon, c'est bon. Je suis contente d'avoir testé ça. Tiens. Les sauces que j'ai pris, c'est un goût chelou. Elle est énorme la sauce. C'est trop mime ça. Chili cheese. Ça a quel goût? C'est du fromage, du cheddar et ça pique. J'adore. Incroyable. Je vais goûter ça avec. Super moi. C'est bon hein? J'ai goûté limon. Nacho cheese. C'est un peu le même équivalent que le chili cheese de Burger King en fait. Donc là j'ai pris le sandwich végétarien, pareil. Le vegan. Végétarien. Ouais. Oh, il se fait la malle. C'est bon. En fait à l'intérieur il y a de la tomate, je sais pas trop quoi. Non, franchement. Pour ceux qui mangent pas de viande, je trouve que t'as beaucoup plus d'alternatives ici qu'en France, tu vois. Moi j'aime bien. Voilà, le tien. Je pense que je préfère le vegan. Parce qu'en fait, le vegan, t'as vraiment l'impression de manger de la viande. Enfin, pas de la viande, mais un burger. Bah, le truc au milieu du végétarien, c'est ça. C'est des sticks en fait. Leurs sauces sont bonnes, y'a rien à dire. Bah écoutez, moi j'aime bien ce que j'ai pris, hein. Ça, c'est bon. Et ça, c'est vraiment bon. Voilà. Ouais. Plus, elle est vraiment super sympa là, les gens. J'ai bien kiffé mon Big Mac végétarien. Le seul truc qui est différent ici, c'est le double Big Mac. T'as 4 viandes. Mais ça, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Le Mac Plant et tout. Ça, je pense que c'est un espèce de milkshake au café. Goûtons la chantilly. C'est bon là. Ouais, c'est pas un milkshake quoi. Bon, ça en France il y est maintenant, mais c'est des petits carrés. Oh, et là il est énorme. Je sais pas si ça va être coupé en deux. Ça a l'air incroyable. Alors. Moi j'aime bien, mais je trouve que c'est écœurant. Tu m'en gardes un morceau? Il y a de la cannelle dedans? Ouais. C'est pas mauvais. Non, je trouve qu'on sent bien la pomme, la cannelle. Non, franchement, c'est bon, mais tu trouves pas, c'est... Je sais pas, c'est écœurant un peu, non? Je sais pas. Bon, bah voilà. Bah finalement, on peut dire que c'est un McDo végétarien. C'est vrai que t'as plus le choix, en fait. Si tu manges pas de viande, au moins, tu vas au McDo, tu dis, bah, je suis végétarienne, tu peux manger un burger, enfin... Je trouve que si t'es vegan ou si t'as un régime alimentaire, c'est mieux ici. Mais après, niveau viande et tout, je pense que c'est mieux là-bas. Ouais. Enfin, en France, genre... Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de menus, hein. Ouais. Tu peux pas faire trop tes menus ici, en fait. C'est juste, tu prends
Genre là, j'ai pris un triple cheese, je pouvais pas faire de menu. Ouais. En plus, c'est moins cher. Ah, c'est moins cher, ouais. Ah, mais j'ai quand même payé 19 balles, je trouve, hein, c'est cher. Hein. En finalité, je trouve pas, tu vois. Alors, est-ce que tu penses que la viande, elle est pareille pour tous les McDo ou la qualité est peut-être meilleure en France, moi, tu vois? Honnêtement, j'ai pris un triple cheese, j'ai pris un quarter pounder. Tu m'aurais mis les deux, j'aurais pas fait de diff, je pense, entre les deux bœufs. C'était pas. Ok, ok. Mais en vrai de vrai, moi, j'ai voulu goûter le McDo en Irlande parce que c'est pour ma curiosité personnelle. Mais c'est vrai que vous avez tellement de restos ici, mais incroyable. Enfin, on en a pas fait énormément, mais aller pas au McDo, ça sert à rien. Oui, il y a d'autres trucs à découvrir. Là, j'ai voulu le faire parce que, bah, pour le fun, pour un maxi fun. Mais c'est cool, au moins j'ai pu le découvrir. Parce que j'ai jamais goûté au McDo les végétariens, les sandwichs végés. Hein. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que t'as une alternative vegan en France? Non, je crois pas. Bah, t'as pas. Pour le salade, je joue au burger. Non, je crois pas. Y a pas, de burger là, vegan, vraiment, c'est vegan, tu vois. Là, c'est burger vegan. Genre, ils ont fait un effort. Ils ont fait un truc, tu vois. On va clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de bouffe, évidemment. Comme d'hab. Comme d'habitude. Ailleurs. Ailleurs. Et pas en France. Voilà, je vous fais très très gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Love you. Ouais.